place où Alexandre II il est tombé mortellement blessé. Bon, s'il vous plaît, un quart d'heure, on fait pour les photos. Après, on continue. Alors, messieurs qui étaient pressés pour des toilettes, il y a les toilettes là. C'est les autres, l'arrêt technique. Vietnam. Et sur au bord du fleuve Moïka. Et la rue qui s'appelle la grande rue des écuries. Voilà, c'est ça la pharmacie qui m'a demandé. Il y a plein de pharmacies chez nous. Moi j'aime pas quand des filles me suivent. Vous savez que les gens sont les mêmes partout. La terre est la même pour tout le monde. Pour tout le monde. On s'habille autrement et on mange autrement, mais les problèmes sont les mêmes. Voilà, votre droite, c'est un grand magasin universel. Vous allez voir le grand magasin universel à Moscou. Ça, c'est non. C'est ça tes chances. Quand on est en voyage, on s'arrête pour les photos, on descend. Mais ici, c'est qu'il monte, on descend, on peut voler les chars, les vêtements. Voilà, c'est ça. Ah oui, la rue a angle droit. Voilà, c'est cette partie de la ville, c'est la partie la plus ancienne. C'est la partie de la perspective Nevski qui a été aménagée au XVIIIe siècle. Il faut dire qu'ici, à l'époque de Pierre Ier, alors dans ce quartier de la ville, il y en avait plusieurs églises des religions différentes, si vous voulez. Parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui ont été invités à l'époque de Pierre Ier pour travailler dans la ville Saint-Pétersbourg. Il y avait une église catholique, il y a ici, à côté. Ici, il y a l'église pour des protestants, l'église Saint-Pietri. Il y a l'église pour les Allemands. Alors, ça veut dire, il y a l'église suédoise, il y a l'église finlandaise. C'était les gens qui habitaient tout ce quartier, les gens qui ont été engagés pour construire la ville Saint-Pétersbourg et construire le chantier naval de l'Amirauté. Voilà, dans cette partie de la ville, il y a la maison la plus ancienne, c'est celle qui est à votre gauche, la façade rose, le palais Stroganov, qui a été fait du style baroque par Rastrelli. Le cuisinier de Stroganov avait inventé ce plat qui s'appelle le bœuf à la Stroganov. La Maïka, le fleuve Maïka, encore un fleuve qui est gelé. Et vous voyez bien que la rue Nevski prend sa source à côté de l'Amirauté. C'est la première rue qui se converge complémentaire vers l'Amirauté. L'Amirauté, c'est la flèche dorée qui est tout au bout, l'ancien chantier naval. Ah, maintenant, c'était comme ça. Il faut dire que le symbole de la ville de Saint-Pétersbourg, c'est la petite flèche dorée. La Mirauté qui est couronnée d'une petite caravelle. C'est comme le symbole de Paris, c'est une caravelle aussi qui navigue. Alors, votre caravelle, elle est au sommet de la flèche de la Mirauté. Je vais pour mon passeport par là. On servait de la Deuxième Guerre mondiale qui dit qu'au moment des coups d'artillerie, cette côté de la rue est la plus dangereuse.
La maison suivante, c'était le Crédit Lyonnais, l'ancien Crédit Lyonnais. Voilà, cet édifice gris qui est du côté gauche, qui ressemble beaucoup au palais de Doge à Venise, c'était l'ancien siège de notre compagnie aérienne Aeroflot. Ah, ça fait costaud quoi. Et voilà, nous sommes, on va quitter avec vous l'avenue principale, l'avenue avec des pièces qui bougent, là. C'est 450 roubles l'entrée, si ça vous intéresse. Et si quelqu'un le veut, me le dites, parce qu'il faut que je réserve l'heure dans un tout petit village, Fyodorovskaya. Aujourd'hui, c'est la ville clean. Mais comme il venait régulièrement ici dans la ville pour donner les concerts, dans la grande salle de la Philharmonie où dirigeait les orchestres au théâtre Mariinsky, son frère Modeste louait un appartement ici dans cette ville. Et voilà les plaques commémoratives qui sont sur la façade disent... Ici habitait un grand général, notre célèbre danseuse Oulanova, et la plaque qui dit que dans cette maison a décédé Pierre Tchaïkovski. 19e siècle, et c'est la cathédrale qui avait donné le nom à toute la place, qui est là. Et c'est l'architecte qui avait fait les études dans l'atelier de Soufflot. C'est pour ça que ça ressemble au Panthéon qui est à Paris. Mais à l'intérieur, c'est différent. À l'intérieur, c'est différent parce que pour le décor de la cathédrale, on avait utilisé toute espèce de marbre qui existe dans la nature. Oui. À droite, la maison Metlef où il y a quatre colonnes grises avec une toute petite plaque qui est très modeste qui nous dit que ici, pendant son séjour en Russie, habitait Diderot. Voilà, Denis Diderot, il est venu en Russie invité par la Grande Catherine et il est venu plusieurs fois pour discuter avec l'impératrice de la Russie dans le palais d'hiver. Il avait eu l'honneur de venir en civil et pas en uniforme. Et pendant les discours, la Grande Catherine, elle marquait ça dans ses souvenirs que moi je mettais toujours un siège entre nous deux parce que ce Français tellement discutait avec les mains qu'il y avait les taches bleues qui restaient. Probablement, elle a... Aujourd'hui, l'hôtel de ville, elle est à Smolny, là-bas. Parce qu'il paraît qu'il y a une place qui manque pour les gens qui travaillaient à l'hôtel de ville. On les a fait déplacer. C'est Madeleine. Qu'est-ce que c'est à la gauche? C'est Madeleine. Dis pas, là. Qu'est-ce que c'est à gauche? Oui. J'aime bien comment vous parlez. Qu'est-ce que tu dis? Ah! Oui, si tu veux. Des arbres. 20 du matin. On enlève le pont pour faire passer des bateaux. Tous les ponts sont mobiles à Saint-Pétersbourg pour faire passer des bateaux parce que je vous ai expliqué que la Neva fait une partie du parti la plus basse de la ville. C'est l'île de Basile. Voilà, c'est la Neva. L'île de Basile, c'est la plus grande île à l'embouchure de la Neva. C'est la partie où, à l'époque de Pierre le Grand, on a voulu faire le centre administratif de la ville. C'est pour ça que les premiers canaux qui ont été aménagés dans notre ville, ils étaient faits ici sur l'île de Basile. Mais je vous ai expliqué que la grande inondation, la première grande inondation avait dévasté. Il y a les canaux aujourd'hui, il y a les rues. Mais les rues sont numérotées ici sur l'île de Basile, comme des canaux. Les rues n'ont pas de nom. On dit ligne numéro 1, 2, 3, etc. L'Académie des Beaux-Arts, c'est l'Académie des Beaux-Arts de notre ville qui porte le nom d'Ilir Épine, de notre célèbre peintre russe. Je ne sais pas si dans le programme vous avez la galerie Tretiakov à Moscou. Alors, parce que là vous allez voir les tableaux des peintres russes. En face.
Moscou, qu'est-ce qu'il y a dans le programme? Moscou, Moscou. C'est pas ici. Le célèbre tableau, c'est les bateliers de la Volga. Alors les premiers grands palais, les premiers palais d'époque de Pierre le Grand, qui a été fait pour Menchikov, Alexandre Menchikov, qui était l'ami fidèle de Pierre Ier, l'homme simple qui avait fait la connaissance à Moscou avec Pierre Ier, parce que Pierre le Grand, il est moscovite. Il y a les pièces qui sont entièrement décorées par des carreaux de Delphes. L'autre fois, les bateaux pouvaient accoster directement vers le palais. Et toutes les premières grandes réceptions ont été faites ici, parce que Pierre le Grand n'avait pas un grand palais à cette époque-là, à Saint-Pétersbourg. Un ancien manège, la façade verte, c'est la faculté de lettres de l'université, le bâtiment de 12 collèges. Voilà, vous voyez l'ensemble de la Neva. Regardez bien là-bas, de l'autre côté de la Neva, la façade jaune, là où il y a le drapeau. Il y a le square et il y a une toute petite statue là-bas. C'est la statue au fondateur de la ville. J'espère qu'on voit l'île de Basile. Et pour voir comment il rotait, il a la forme d'une carré. Les bateaux étaient faits, ils descendaient directement vers la Neva. Mais au 19e siècle, alors l'amirauté était en faillite et un morceau de terrain était vendu à une banque. À gauche, c'est l'Académie de sciences du 18e siècle, d'époque de Pierre Ier. Dans cet édifice, au 18e siècle, on avait fait installer le premier musée de la Russie. La célèbre s'appelait la Kunstkamera, où on avait fait exposer les objets qu'on a trouvés pendant des fouilles archéologiques, les raretés de la nature, comme on disait. Et cette célèbre collection de médecins russes que Pierre Ier avait. Le nom des colonnes, ça vient du latin. Les rostres, les poussiers qui font le décor des colonnes. Alors, d'où vient le nom des colonnes? Les colonnes rostrales. Comme c'était le port, alors les bateaux pouvaient s'orienter dans la Neva. Dans cet endroit, la Neva est la plus large. C'est presque un kilomètre de largeur, parce que le fleuve se partage en deux. C'est le petit Hermitage qui a été fait à l'époque de la Grande Catherine. On en a fait exposer la... Gazprom. Il y avait un scandale il y a quelques années parce qu'ils ont acheté le terrain à face de Smolny. Et le tour qui a plus que 400 mètres de hauteur, il va abîmer toute la vue générale qu'on donne ici sur la Neva. Voilà, regardez à votre droite, vous voyez la forteresse de Saint-Pierre de Saint-Paul avec une cathédrale au milieu. La cathédrale qui porte le nom, c'est l'endroit où la ville est née. Togol, mais il y a le musée qui s'appelle Vasa. C'est un musée où les Suédois, ils ont trouvé ce bateau. Ah oui, il a eu 50 trous. De Boris Eiffmann. Alors, retenez ce nom parce qu'il est souvent tourné en France. C'est une école de danse. Ah ben je vais me faire voter là, tu vois, l'université. Oui, il y en a plein.